À 26 ans, Angela est une jeune entrepreneuse guadeloupéenne pleine de ressources. Depuis plusieurs mois, cette coiffeuse de profession s'est lancée à son compte dans un projet astucieux, la création d'un salon de coiffure ambulant. Le concept est populaire aux États-Unis, mais unique en Guadeloupe. L'espace est quand même optimisé. J'ai plus d'espace contrairement à domicile quand je vais chez la cliente. L'espace est plus petit. Là, j'ai tout sur place. Quelques mètres carrés optimisés pour accueillir tout le matériel nécessaire à la coiffure. Bac à shampoing, fauteuil, miroir. Ici, Angela peut travailler comme dans un vrai salon, avec un avantage non négligeable. Je vais à l'encontre de la clientèle et je voyage, on va dire, en gros, puisque je suis souvent sur la route. Certaines ne peuvent pas forcément se déplacer, ou ont des enfants, ou des personnes en situation dépendante qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc c'est quand même avantageux pour eux. Disponible sur la Grande Terre pour l'instant, le service a pour ambition de s'étendre sur tout le territoire de la Guadeloupe. Les premiers clients, eux, sont tous déjà conquis. Juste le fait de savoir qu'on n'a pas à se déplacer, qu'on a la coiffeuse qui vient à domicile, ça change la vie. On n'a pas chaud, on est à l'aise, on a tout ce qu'il faut, il y a une bonne ambiance. Pour arriver à une telle qualité de service, Angela a dû investir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le camion venu tout droit de l'Hexagone a été fabriqué par des spécialistes de l'aménagement. Aujourd'hui, pour cette chef d'entreprise, le rêve est accompli, ici, en Guadeloupe. C'est un plaisir de savoir que vous avez réalisé un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et j'encourage beaucoup les jeunes qui veulent entreprendre à croire en eux et ne laisser personne les faire douter d'eux, justement. Une réussite pour Angela, synonyme aussi d'espoir pour toute une jeunesse guadeloupéenne. Ne reste plus qu'à souhaiter bonne route à ce salon de coiffure itinérant.